Bonsoir chers téléspectateurs, chers amis, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuhu. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur notre chaîne MTA français comme chaque vendredi. Pour notre live Omar Comment. Donc ce soir, avec nous, nous avons Monsieur Omar, Alaikum bon, Et ainsi que notre missionnaire en charge, euh, Monsieur Nasser Ahmad Alaikum Alors, euh, donc ce soir, on a des internautes qui nous ont fait des remarques, des commentaires très très intéressants. Ils ont soulevé des interrogations qui sont légitimes hein, sur la, les, les prophéties autour de l'imam Al-Mahdi. Euh, donc. Euh, et de la fin des temps. Euh, donc, donc, nous allons voir un petit peu ça avec euh, nos, nos invités, hein, puisque ce qui se passe, la question qui est soulevée hein, rapidement pour vous, vous vous expliquer un petit peu de quoi va parler notre émission de ce soir, c'est que euh, nous, la communauté musulmane ahmadiyya, on dit que l'imam Mahdi, il est arrivé. Et pourtant, il y a toujours du désordre dans le monde. Et ça, c'est ce que nous disent les internautes. Pourtant, le Saint-Prophète sal a prédit qu'à l'arrivée donc de l'imam Mahdi, le retour de Jésus, la justice et l'équité se répandront dans le monde. Et donc, pourquoi l'injustice règne dans le monde alors que le mardi est là C'est un petit peu ce qu'on va voir euh, en, en fin d'émission, en milieu, fin d'émission. Donc euh, les prophéties sur le Mahdi sont-elles importantes C'est le titre de notre émission de ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai deux annonces à faire. Donc on a notre conférence MTA qui aura lieu euh, donc, le samedi 11 juin de 16h30 à 20h. Donc le thème c'est le système politique français. Euh, donc c'est un exposé académique comme d'habitude en deuxième partie c'est un débat euh, avec euh, des panélistes qui vont être là qui vont débattre et il y aura de possibilité de poser des questions sur que dit l'islam sur le féminisme alors euh, ce thème-là aussi il a été choisi c'est pas pour rien parce que euh, on a coutume de penser de dire que la femme musulmane c'est une, une une personne qui est soumise, qui est enfermée à la maison, qui n'a pas de liberté, eh bien, nous, moi, nous, nous invitons à venir voir euh, cette conférence qui est organisée par la section féminine de la communauté, organisée par les femmes et pour les femmes en présentiel, et puis pour tous, euh, bien évidemment, euh, via notre chaîne YouTube. Et donc, euh, venez voir un petit peu ce qui se passe sur place, venez échanger avec, euh, pour, pour, pour les femmes. Euh, qui, qui, qui pensent que la femme musulmane est, est, est enfermée et n'a pas de liberté, venez à la rencontre de ces, de ces femmes qui font un, un très gros travail et qui sont en totale autonomie. Donc, vraiment, pour vous inscrire, comme d'habitude, mtafrançais.mta.tv mta qui va s'afficher à l'écran. Donc, vous nous envoyez un email et vous avez la possibilité de vous inscrire. Alors. Comme je vous disais tout à l'heure, notre émission de ce soir, c'est autour des prophéties sur le Mahadi. Est-ce qu'elles sont importantes Mais avant de rentrer dans ce, le vif du sujet. Ah, euh, religion, ah oui, effectivement, merci de me rappeler, euh, monsieur, monsieur Omar, que nous avons notre conférence interreligieuse le samedi 19 juin. Donc, ça, c'est à 15h et c'est sur le thème euh, la crise mondiale sur le chemin de la paix. Et donc c'est à Saint-Prix, pareil pour les inscriptions, mtafrançais.mta.tv. Et d'ailleurs, avant de rentrer dans le sommaire, j'ai oublié de notre commentaire coup de cœur. Bien sûr, tout à fait. <laughs> Décidément, j'en avais passé des <laughs> étapes ce soir. Donc le commentaire ce, ce, ce coup de cœur, hein, c'est le retour d'un frère sur une argumentation, notre argumentation par rapport à Jésus, al salam. Euh, et je vais laisser M. Omar en dire plus. Oui, euh, uh, machallah, on, on reçoit... Euh plusieurs messages, vous savez qu'on a beaucoup d'objections de, de, par rapport à ce qu'on nous dit, mais on reçoit aussi beaucoup de messages d'encouragement par la grâce d'Allah, on ne pourra pas tous les citer ici, mais on en a choisi un aujourd'hui parce que il a semblé pertinent, parce que c'est un frère qui nous dit euh, que franchement les arguments sur la mort de Jésus qu'on a, qu a donnés, notamment oui. lors d'une émission faite par la section féminine, justement, ah, okay. les 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 l'émission l'édito sur la mort de Jésus mm -hmm. à travers le Saint Coran, à travers la Bible. Oui. Bien, cette personne-là qui n'est pas, m'a dit a dit franchement, vos arguments sont irrésistibles. On ne peut pas prouver le contraire. Et donc sa démarche, elle est intéressante parce qu'elle dit que si vous suivez la vérité, ben, moi je suis la vérité et je suis même prêt à vous suivre. Par contre, il a dit euh, il y a une chose sur laquelle, sur laquelle il n'est pas d'accord. C'est la question du tarawih. Hmm. Pour lui, il pense que c'est une bidara, et il comprend pas pourquoi nous qui croyons que l'imam Mahdi est arrivé, pourquoi l'imam Mahdi Al-Saddam n'a pas tranché sur cette question-là. Donc, on va revenir dessus, passe pas sur, pas sur, sur cette émission-là. On va faire peut-être des vidéos, on hein, va peut-être venir euh, revenir dessus sur peut-être un autre remarque, commente Mais euh, on a pris en considération, je lui ai dit en particulier, mais je voulais rendre hommage aussi à, à cette. Euh, Objectivité, hein, parce que ce n'est pas, pas, pas tout le temps le cas, les gens ne sont pas objectifs. Là, il a fait preuve d'objectivité. Et là, il soulève une question légitime, on a nos réponses, on ne on, on va, on va pas tarder à lui répondre. Ah, Ok, très bien. Alors, je vais vous faire un rapide sommaire hein, de, des, des thèmes, euh, des questions qu'on va aborder ce soir. Donc, euh, la première question, ça va être autour de la cigarette électronique. Euh, donc, c'est une personne qui demande euh, si c'est euh, halal ou haram. Ensuite, on a encore une question de halal ou haram. Hein. C'est quelque chose qui, qui interroge beaucoup les gens sur ce qui est permis, pas permis, même si on voit que... Ce n'est pas si tranché que ça, euh, autour de, du cinéma. On a des questions autour du cinéma. Ensuite, on a une question, puisque nous avons abordé euh, la fois précédente avec M. Saïd la thérapie EMDR, mais vraisemblablement, euh, la personne n'est pas forcément. Euh, on n'a pas forcément répondu spécifiquement à la thérapie EMDR. On était plutôt sur de la thérapie en général, ce genre de choses. Donc là, on va rentrer un peu plus dans le détail. On va tenter de rentrer un peu plus dans le détail. Ensuite, on a aussi une question qui avait été posée la semaine dernière, donc qui est le plus proche de Jésus-Christ, qui demandait à être un petit peu plus approfondie. Donc là, on a, on a un commentaire par rapport à ça. Et ensuite, eh ben, en fin d'émission, on aura nos questions autour euh, bah, des prophéties euh, des, de la fin des temps et de, de l'imam Mahdi. Euh, voilà, grosso modo, le, le programme de ce soir. Alors, première question, elle nous a été posée tout à l'heure, il y a à peu près deux heures, euh, de Saddam Mohamed. Donc, je n'ai pas le commentaire en entier, mais je crois qu'il devrait s'afficher à, à l'écran. Moi, j'ai le thème. En gros, c'est une personne qui veut savoir si la cigarette électronique puff, fumer la puff, est-ce que c'est halal ou haram de fumer la puff Donc, j'introduis, c'est une cigarette électronique euh, qui est vendue en tabac avec euh, un packaging très attirant et qui fait, qui fait fureur chez les jeunes. Pour ne pas dire fait tabac chez les jeunes. <laughs> voilà, exactement. Effectivement, en fait, euh, la, le, le danger avec ce, ce genre d'éléments, de, euh, de, 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 on va dire, ou de, de produits, je oui. ne plus, plus exactement. Euh, on va plutôt parler de danger, parce que ce qui est, encore une fois, halal ou haram, euh, c'est clairement mentionné dans le Saint-Coran. Ouais. Et euh, aucun, euh, aucune personne. Hormis le saint prophète Mohammed peut dé dé déterminer, parce qu'il était le Coran personnifié, mmh. ce qui est clairement halal et ce qui est clairement haram. Par contre, l'islam est cette religion qui nous enseigne de se départir, de s'éloigner de tout ce qui va être nocif pour le corps. Mmh. Et, et aussi de s'éloigner, se, de, se, de, se, de, de ne pas s'approcher de choses qui peuvent nous faire basculer de l'autre côté et euh, on sait aujourd'hui que la, la cigarette, le tabac, et c'est reconnu même dans on, on met dans, dans, dans les dans les euh, sur les paquets de cigarettes attention la fumée tue, tue. c'est bien pour dire que ce n'est que quelque, quelque chose de nocif ouais. et donc une personne qui veut du bien pour son corps euh, même si ce n'est pas musulman et eh bien on va personne ne va l'encourager à fumer de la cigarette ouais. maintenant la cigarette électronique elle elle a été inventée comme un processus pour s'éloigner justement de la cigarette de oui. la cigarette classique oui. et euh, en ce qui concerne le puff on a l'impression plutôt que c'est un, euh, un, un produit fait pour encourager les jeunes à entrer avec douceur quoi, en fait. voilà, dans le monde de la, comme, comme la bière sans alcool par exemple voilà, et, et, ça, et ça clairement c'est pas encouragé parce que surtout une chose qu'il faut savoir c'est que la cigarette électronique elle est vendue dans les magasins spécialisés. Et donc là-dessus, dans les magasins spécialisés, ils sont très stricts avec euh, les, 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 les mineurs. Ils ne ouais. vont pas euh, leur vendre euh, des produits, justement de la cigarette électronique, parce qu'ils sont mineurs. Par contre, dans les tabacs, même pour les paquets de cigarettes, aujourd'hui, il n'y a pas une telle rigueur. Il peut y avoir des, des adolescents qui peuvent venir et acheter du tabac pour leurs parents, par exemple. Et comme ce produit-là est vendu euh, en, tabac, en, en, en tabac, on a de plus en plus de jeunes. Des, des collégiens, des lycéens, qui vont avoir accès à ce produit-là. Et donc, on a des jeunes qui, en puissance, vont être peut-être demain des futurs consommateurs de cigarettes. Et donc, là-dessus, là c'est quand même un euh, dommage. Donc, encore une fois, il ne faut pas, faut pas penser ça en termes de halal et de haram, mais plutôt comprendre qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est bénéfique pour, 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 le, pour le croyant, pour l'être humain en règle générale, et qu'est-ce qu'il ne l'est pas Et clairement, cette, ce, 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 ce produit est plutôt dans le sens de, de, de pousser les gens à la consommation d'une substance qui, qui a fait ses preuves de sa nocivité de manière depuis, depuis très longtemps. Effectivement. Bon, alors pour euh, cette question, euh, je vous remercie pour euh, ces, 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 ces petites euh, indications. On va continuer avec euh, donc, euh, toujours l'idée du halal ou haram autour du cinéma. Là, on a euh, Robloxy Sia qui nous dit. Euh, Est-ce que c'est haram de devenir actrice SVP pour une musulmane dans le halal Est-ce que c'est haram d'être actrice Oui, pour... ouais, de devenir actrice. S'il vous plaît, il faut voir, euh, euh, c'est-à-dire euh, quelque chose euh, ou une action quelconque, une profession quelconque, euh, c'est-à-dire. Euh, ça va aboutir à quoi je me, je me permets, mon euh, Bissab, parce que, au fait, on a aussi Map of Soul, que je n'ai pas cité, mais qui pose une question un peu similaire. Faire du cinéma, c'est haram, il pose la question. Donc je vous, je vous laisse continuer, excusez-moi. Faire du cinéma, euh, c'est une expression en français. Hein. Oui. Là, on est plutôt être dans le milieu <laughs> du cinéma. Okay. Voilà. Okay. Quand, quand on vous dit cinéma, ça dit aujourd'hui n'est pas la même euh, signification ou euh, des orientations qui étaient au départ. Okay? D'accord. Aujourd'hui, quand vous il, il y a des films de documentaires. Oui. Ok. Et il y a des, des films historiques, par exemple, des fois sur la biographie de quelqu'un. Ok. Sur la réalité historique, des fois des guerres, il y a beaucoup. Ok. Mais quand vous dites actrice, ça, il faut voir que est-ce que cela ça, ça, euh, éloigne quelqu'un de, de sa spiritualité, ses valeurs morales Qui, qui doit être très cher et très important pour euh, quelqu'un qui croit en Dieu. OK Parce que nous savons très bien que c'est lui qui s'adonne à cette profession. OK Et il y a quelles sont les, 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 les activités de la vie tout ce qui gravite autour du cinéma oui. aussi qu'est-ce qu'ils font tout le monde le connaît on n'a pas besoin de mentionner ici oui. dans notre émission le show le monde du show business ok show business. même si ceux qui ne sont pas directement mais indirectement ou qui sont des éléments de ces show business leur vie quotidienne mmh. est-ce que euh, ça correspond au val spirituelles spirituel et moral que un enseignement divin ah, oui. de n'importe quelle religion c'est-à-dire euh, Donne une, une place. Donc, euh, parler de halal ou haram, c'est une autre chose. Vous savez très bien c'est quoi. Donc, euh, euh, il faut mieux d'éviter que de se jeter dans une chose que vous ne pouvez... Ce sera impossible ou très, très difficile d'en sortir. OK. Très bien. Okay. Bon, ben, ça me paraît... Maintenant, euh... je vais vous donner quelque chose. Des fois, il y a quelque chose que, pour euh, l'homme de certains niveaux, pour voir, pour écouter quelque chose, c'est tout à fait une autre chose que de faire. Par exemple, un exemple de la vie de Saint-Prophète. Quand il y, a, il y a des mariages, le Saint-Prophète disait à son épouse Aïcha, « Est-ce que vous avez envoyé des filles pour chanter les chansons de mariage ?» Et non. Et les Arabes avaient le coutume, quand ils chantaient, ils chantaient aussi les... Et les certains événements historiques du passé, de certaines guerres entre les tribus pour montrer le bravoure et le courage de soldat ou de tribu. comme les gens faisaient ça. Mm. Alors le saint prophète lui-même, il dit, envoyer des, des filles ou des femmes qui chantent parce qu'il il est le mariage. Mais une fois quelqu'un, il y avait des, des certaines filles qui chantaient oui. avec Aïcha, Le saint prophète est entré, mais il a tourné le dos, l'autre côté, il a fait le, le, son, son c'est-à-dire son visage. Et puis, il commençait à comme. pour dormir comme ça. Comme lui, il n'est pas intéressé à cela. Mais il n'a pas oublié qu'il y a les autres êtres humains qui n'ont pas le même niveau de la spiritualité. Okay. ok. Donc, ils ont aussi quelque chose de diversité. Ouais. Ok. Donc, il le les a parmi. Diversifiant. D voilà. Mais pour eux, c'est une autre chose, mais pour lui, c'est tout à fait une autre chose. Ouais. Ok. C'est pour cela. Le... Mais quand Hadrat Oumar est entré. Ces filles ils ont commencé à cacher ces choses-là et, et c'est très étrange, vous, vous n'avez pas le père de Saint-Prophète, mais vous avez peur de vous-même. <laughs> Parce que lui, il était un peu dur, il ne tolérait pas des choses bêtises, des choses comme ça, non Mais le Saint-Prophète avait un autre niveau qui avait la considération pour toutes les couches de la société. Mmh. C'est-à-dire donner quelque chose pour tout le monde, mmh. oui. c'est-à-dire dans cet aspect. Mais pour lui... Il ignore complètement, ce n'est pas son domaine. D'accord. Donc, si je peux résumer, ce n'est pas, pas, pas quelque chose d'interdit. Maintenant, il faut bien réfléchir est-ce que ça va de pair avec sa foi et ne pas se mettre dans des situations finalement qui vont nous écarter de, très, de si, la foi Nous savons très bien dans ce domaine, ouais. euh, c'est-à-dire, euh, euh, exhibition, exposition ouais. Ouais. de corps, de, mmh. on a pas, tout le monde le connaît. Ça n'a ça rien à voir avec la spiritualité et le valeur morale d'un peuple quelconque. Donc, euh, je pense que celui qui pose la question, il connaît peut-être, euh, sciemment, il a posé la question quelle est notre position Ok, très bien. Alors, euh, moi, j'en profite pour euh, saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent en direct sur le chat. Malheureusement, je peux pas afficher les commentaires parce que j'ai un petit problème de tablette, mais je vous lis. « Nassalam alaikum wa rahmatullah, wa barakatuhu », ça fait très plaisir. C'est intéressant, on a Timur Lang qui relève le titre qu'on a choisi, euh, qui nous dit « Le titre ne sous-entend pas que les prophéties sur le Mahdi ne sont pas importantes ». Et justement, c'est la question qui est posée et nous allons la voir euh, en, en deuxième partie d'émission, enfin… En, en, en milieu d'émission, donc là, on va continuer euh, avec la question de la thérapie EMDR. Euh, Est-ce que vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail, s'il vous plaît, euh, Monsieur Omar, peut-être vraiment bien expliquer ce que c'est. Et... Euh, <coughs> euh, déjà, 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 je voudrais, je voudrais dire juste un petit, petit, euh, un petit complément par rapport à, à, la, à la question du médiateur. C'est que la, le simple fait qu'elle se pose la question comme l'a dit Mourabi Saheb, c'est qu'elle se doute elle-même que le milieu de, 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 du, du show business et du cinéma en, en, en particulier est quelque chose de très compliqué à, à gérer pour une personne qui a une aspiration à s'élever spirituellement. On peut la renvoyer après même sur le témoignage de James, par exemple, qui oui. était dans le monde du show business, même du monde de la musique, ou qui, elle, raconte, raconte un peu son, son, son vécu et elle, 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 pourra, elle pourra comprendre par rapport à une telle, à telle à expérience que c'est très difficile de pouvoir concilier les deux. les deux. Donc effectivement pour une personne qui a une, une inclinaison vers la spiritualité, euh, comme on dit, limi il y a un saint homme qui disait, limitez vos sources de, 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 de joie, vous, limitez, vous limiterez vos sources de, 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 de peine, Par contre, elle peut utiliser ses capacités euh, qu'elle a, si elle a des capacités pour être acteur, et cette énergie, ce talent dans beaucoup d'autres domaines où l'expression orale est, euh, peut, peut, peut être mise à contribution. Ok, très ouais. bien. Du coup, merci pour ce petit complément euh, par rapport au cinéma. Et je vous renvoie maintenant à la question de l'EMDR. L'EMDR, le MDR, parce que euh, déjà ce qu'il faut savoir déjà euh, en, en introduction, c'est que le Saint-Prophète nous a enseigné un, un enseignement vraiment euh, très profond. À savoir que dans chaque, à chaque maladie, il y a un remède. Ça veut dire qu'Allah, ce printemps-là, il a donné des provisions pour tout mot qui afflige l'être humain. Et malheureusement, dans le monde de la religion, les mots euh, liés à, au psyché euh, sont souvent considérés comme euh, des choses qui sont à négliger et que ça n'existe pas. Oui, et et c est c est ça, dans le monde musulman, euh, ils disent carrément ouais. les maladies. Enfin, dans le monde musulman classique, ouais. on dit ça euh, n'existe en fait pas. Voilà et qu'ils ont ils ont ils préfèrent avoir. Voilà, c'est un manque de foi. Ils préfèrent avoir recours à des à des raqis, comme on dit des des des, des exorcistes ouais. en disant en attribuant, attribuant ça au Odin. Ah, voilà ouais. la possession ouais. euh, plutôt que de se pencher vers les sciences. Qui ont été développés pour essayer de mieux comprendre comment fonctionne le psyché humain. Donc là-dessus, c'est une erreur de penser comme ça. Parce que, encore une fois, sous l'autorité du Saint-Prophète qui nous a enseigné que Allah, à toute maladie, il a prévu, il a pourvu un remède, et eh bien toutes les avancées, toutes les découvertes qui sont faites pour aller dans le sens du soulagement des souffrances humaines ne peuvent pas être négligées d'un revers de main. Et là, les théories EMDR, je n'ai jamais pratiqué en perso, j'espère que je n'aurai jamais à, 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 à en avoir besoin, mais le concept, il est lié par rapport à une véritable souffrance. Les, la souffrance qu'on appelle les, les troubles. Euh, post euh, les, les post, ouais, post les troubles de stress post traumatiques les troubles de stress post traumatiques et à notre époque c'est quelque chose de euh, très en vogue euh, vraiment actuel c'est vraiment l'actualité avec la pandémie avec le contexte international très anxiogène hein, lié à une, une troisième guerre mondiale qui nous pend sous, sous, sous le nez, les problèmes sociaux avec euh, les, la, la crise des gilets jaunes qui, a, qui, a, qui, a, qui, qui, qui révèle un, un malaise social un malaise. Dans, la, dans, la, dans la société. Eh bien, tous ces facteurs et bien d'autres entraînent et, et ou en dehors de, ce, de, de, ces, de ces phénomènes macro, il y a aussi des phénomènes micro liés au vécu des gens. Par exemple, la, 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 la perte d'un proche ou un divorce douloureux, et beaucoup et des accidents mortels. Et Ces choses-là sont traumatisantes et créent chez l'individu des troubles, des, un stress post-traumatique qui ne, qui, ne, qui ne prend pas simplement une forme de problème psychique, mais même physiquement. Physique. Les personnes Monsieur peuvent Saïd être... Vous parlé de ça, effectivement, justement. Ouais. Et, et, et les personnes peuvent, dans ces conditions-là, être impactées dans leur vie de tous les jours familial, social, professionnel. Si bien qu'ils n'arrêtent même plus à travailler parce que ils ont, il peut, il peut qu ils peuvent, ils peuvent arriver qu'ils aient des flashbacks, par exemple, d'un accident qu'ils ont vécu. Par exemple, ils ont survécu à un accident, qu'un proche, un, un proche à eux a décidé. trouvé la mort et que cette, ce, cet, accident-là, dans les lieux qu'ils fréquentent, eh bien, vous avez des retours de ce genre d'accident. Ce qui impacte très négativement dans leur vie. cest bien qu'ils sont, finalement. voilà. Si bien, bien qu'ils sont handicapés. Il n'arrive pas à se sortir justement de ce stress, de, ce, de cette prison mentale finalement. Et donc, en 1987, il y a une, une, une thérapeute, hein, qui s'appelle Françoise Ch Chapiro, j'espère que je pas pas son nom, qui a, on va dire, par hasard, on va dire par, plutôt par la grâce d'Allah, découvert un, 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 un procédé, un procédé euh, qui, euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui passe par, par, par le mouvement oculaire, mais pas que ça. Moi, je, je suis pas spécialiste, donc je ne pourrais pas vous décrire en détail comment ça se passe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est euh, géré, supervisé par des psychologues. C'est une branche de la psychologie. Il y a des, des, professionnels, y a des professionnels de la santé, de la qui, santé sont derrière, qui sont derrière cela. De non, non, et c'est pas non plus des personnes qui s'improvisent pour le faire, parce que, attention, il là-dessus, parce que c'est quelque chose quand même qui a été reconnu par le, le, euh, le par l'OMS par l'OMS et par des grandes organisations donc c'est quelque chose qui est réglementé qui est reconnu comme étant efficace qu'apparemment il y a deux millions de personnes qui ont qui ont pu bénéficier de okay. cette de cette de cette de, 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 de cette science jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et qu'ils ont pu aujourd'hui se libérer justement de ce trouble de stress post-traumatique grâce justement à cette à, à cette MDR donc pour répondre vraiment à la question de, de la de, de la sœur qui pose cette question là ouais. À partir du moment où on, est, on se situe dans, dans une catégorie de, de malaise, de mal-être, de, ma, de maladie qui nous impacte, nous handicapent, et que vous avez une science réglementée qui a fait ses preuves, euh, l'islam ne va pas vous, vous, vous décourager de le faire. Après, on, a, on, en a parlé dans, dans, on va en parler aussi dans, dans une vidéo, qui, bon, on en profite pour faire le teaser ici, teaser. Euh, euh, dans un halal ou haram, où on, va, on, on en parle un peu plus de détails. Sur okay. cette -là. Très bien. Ok. Ben, dans ces cas-là, euh, vraiment, euh, si la sœur qui nous regarde ou euh, en direct, bah, qu'elle n'hésite pas à, à, à écrire dans le chat. Et puis si euh, elle regarde en rediffusion, voilà, vous avez toujours la possibilité, si vous voulez plus d'informations, nous nous écrire, nous inscrire, euh, nous incrir, pardon, sur notre adresse email. Et, euh, et ensuite, on vous tiendra informé par rapport à la vidéo halal ou haram sur le MDR. Alors. On continue, euh, on continue avec nos questions. Donc, euh, je vais faire un petit rappel où, où on en est dans l'émission pour les internautes qui nous rejoignent. Euh, donc là, on arrive bientôt à notre thème du jour hein, sur les prophéties, sur le Mahdi. Est-ce qu'elles sont importantes euh, Donc, on a, on a abordé un commentaire autour de la cigarette électronique, un commentaire autour du cinéma, à l'instant sur la thérapie EMDR. Et là, on a une question donc de Monsieur Jean Jean hein, Et euh, je remercie, enfin euh, une, une question plutôt un commentaire. Hein. Je remercie Monsieur Jean bourdil de, 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 de voilà de nous suivre déjà depuis un petit moment. Euh, on peut voir bon, il est il est pas toujours d'accord, il est pas forcément, de, ouais il est, <laughs> il est pas d'accord avec nous, mais euh, on peut <laughs> voir que ses commentaires déjà il y a moins de il y a ça moins a de sarcasme, mais il est, et donc ça fait plaisir. Et donc euh, n'hésitez pas à nous écrire, on, et puis nous aussi on n'hésitera pas à interagir avec avec vos commentaires. Donc il nous dit. Euh, à la question qui est le plus proche du Christ, l'islam ou le christianisme, le thème de la semaine dernière. Je suis étonné qu'on pose la question parce que la réponse la plus évidente est que le christianisme est la religion la plus proche du Christ. De la même manière, le darwinisme est la théorie la plus proche de Darwin. L'islam, quant à lui, est une variation d'une secte juive primitive. Alors, petit pic, mais ça va, y a, on, a, on en a vu des pires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet, euh, chers invités ce qu'il a, qu a dit à la fin, je vais commencer à dire que s'il vous plaît, si vous analysez fait en groupes de musulmans, okay, ouais. c'est notre thèse que nous présentons, aujourd'hui les musulmans okay, sont devenus similaires, les juifs et les chrétiens égarés. D'accord. Et c'était la prédiction du Saint-Prophète, wa ce qui, qui montre que lorsque les musulmans, la majorité sera égarée, à ce moment-là, quelqu'un viendra, pour le réformer. Oui. Et cela montre la perfection de l'islam. Cela montre que l'islam a une potentialité, ok, un, c'est-à-dire en islam, que s'il y a quelque chose de grave, euh, s'il y a la décadence, s'il y a, des, à dire des faiblesses ou des défauts, quelqu'un viendra au sein de l'islam pour le réformer. Mais en ce qui concerne le christianisme. Et celui qui viendra, il viendra de la part de Dieu. Ouais. Pas autoproclamé. Mais chez les chrétiens et chez les juifs, ce phénomène n'existe pas. Ils attendent. Mais leur attente n'est jamais réalisée. Mmh. Okay? Parce que leur attente n'est pas basée sur des réalités. L'attente de Jésus-Christ, c'est-à-dire des chrétiens, que Jésus reviendra, est exactement comme... Le retour de Élie chez les Juifs. Oui. Et n'a été pas accompli jusqu'aujourd'hui. Oui. Il insiste, mais sans, sans avoir quelque chose. <laughs> C'est la même erreur que les chrétiens malheureusement font à l'encontre de ce que Jésus avait dit que personne ne descend du ciel. Ok. Maintenant, certainement, il y a des musulmans qui sont comme les Juifs et les chrétiens. À ce propos. Et surtout concernant l'imam Mahdi et le Messie Premier Ok. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens, lui, il dit que les chrétiens sont, le, sont proches de Christ. Oui. Okay. Mais je pense que l'islam est la religion de Jésus-Christ. Oui. Pas seulement de Jésus, mais tous les messages de Dieu, oui. même dans les états primitifs. Parce qu'à l'époque du prophète, à l'avènement du prophète Mohammed, la religion a connu le sommet, la perfection a été parachevée à son arrivée. Oui. Okay. Maintenant, pourquoi nous disons que les chrétiens ne suivent pas le message de Christ oui. Parce que le message de Christ le premier élément, oui. l'unicité de Dieu. Aujourd'hui, il y a combien de chrétiens qui croient en l'unicité de Dieu c'est la Sainte Trinité maintenant. Le... Trinité. Même, il a la divinité à Marie aussi, certains groupes. Oui. Certains disent fils de Dieu. Oui. Ok, trois dieux. Comment vous pouvez faire, c'est-à-dire quelqu'un qui est unique et vous le dites trois. C'est-à-dire incompréhensible. <laughs> que un est trois, trois et un. Ok. Donc, cela dit, il faut voir cela. Ok. Donc, l'islam en forme parfaite qui existe dans le Saint Coran et dans la pratique du prophète de, de l'islam et dans ses explications et la religion de tout le monde vous dites ou vous ne dites pas ok très bien euh, Monsieur Moar avant de vous laisser enchaîner euh, là-dessus là sur ce commentaire si vous voulez rajouter quelque chose j'ai un, un, une question là de Kanersan dans le chat qui nous dit comment savoir si une épreuve est une punition ou pas en fait vous savez euh, Allah s'exprime là il, dans le Saint Coran il dit que euh, il met des épreuves, ou des fois il humilie des peuples pour qu'ils reviennent vers lui. Et donc lorsqu'un peuple est châtié, d'une manière ou d'une autre, et que ce peuple, après avoir reçu justement cette épreuve de la part d'Allah, on, on, on comprendra qu'elle qu qu leur a réussi cette épreuve-là. À partir du moment où ces, 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 ces différents châtiments leur ont ramené vers le Créateur, leur rapprocher rapproché du Seigneur. Mais à partir du moment où vous avez des peuples qui, qui euh, reçoivent des calamités sur calamités et qui ne changent pas leur comportement ou leur attitude, là on parle de peuple, on parle, de peuples, on parle de même au niveau individuel, oui, ça, et bien, même au niveau, niveau individuel, c'est le, en fait. le principe qu'il faut garder, ouais. et bien à partir du moment où cette personne-là s'éloigne de la divinité, eh bien, en soi... Si l'épreuve l'éloigne... En soi, le fait de se séparer d'Allah, c'est Allah, c'est une punition. C'est une punition. Donc, le c'est par rapport à... Ce n'est pas ce secrétaire là qu'on peut savoir si oui ou non on est éprouvé ou pas. Très bien, ok, c'est très clair. Oui. Quelqu'un qui est mis en épreuve, pour les croyants, c'est une comme porte-bonheur parce que... Ça va améliorer sa qualité Ça, de la foi. Mm. Okay Il n'est su pas. Allah seulement voulait montrer aux autres, voilà mes fidèles croyants. D'accord. Mais pour les, pour, les, pour les mécréants et les autres, c'est châtiment. Ok Qui devient euh, pire. Oui. Okay. ok, très bien. Alors, du coup, euh, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose par rapport aux commentaires de Jean Bourdil, monsieur Omar Ou alors on enchaîne sur non, notre question comme, comme a dit c'est une. Euh, et et, et d'ailleurs, on tient à, 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 à dire que ce commentaire il est pertinent de M. Jean Bourdil, mmh. parce que ce qu'il décrit, c'est la réalité. C'est qu'aujourd'hui, ce comme dit Mourabi Saheb, euh, la comparaison que Sam il a fait, c'est entre les musulmans de l'époque de l'imam Mahdi, ouais. que nous croyons <laughs> qui est cette époque-là, ouais. et les juifs de l'époque du Messie. Allez, salam. Ça veut dire que ce que dit Jean Bourdil. Finalement. finalement, <laughs> finalement C'est bon, Ça tombe, vrai. Ça tombe juste, ça tombe juste <laughs> effectivement. Okay. Nous, nous disons qu'ils sont comme, justement, ces, 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 juifs primitifs qui ont rejeté Jésus. Allez, salam, salam, historiquement. Ok alors du coup là on va enchaîner euh, avec vraiment plus euh, le, le thème du jour. On a un long long commentaire donc euh, de Hitman. Je vais pas vous lire l'intégralité du commentaire. J'ai euh, choisi de le résumer et on va avancer point par point comme ça. Je vais vous faire une petite présentation de de ce qu'a dit la personne. Je vais vous poser une question et on va enchaîner comme ça sur le commentaire au fur et à mesure. Donc inter cet internaute il nous explique que dans le 5 ans, Allah a dit que le saint prophète sallallahu alaihi sallam, et le dernier des prophètes. OK Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à, à cette... Euh, comment on comprend ce terme de dernier et, euh, et nous en dire plus sur le terme en arabe qui est utilisé dans le Saint-Coran S'il vous plaît, je ne sais pas pourquoi les, musul... les non ahmadis musulmans le répètent, le répètent. Dans le Saint-Coran, le Saint-Prophète n'est pas mentionné le dernier des prophètes. Non. Ben pourtant, c'est ce que tous les musulmans disent. C'est pour cela que le Messie est venu. <laughs> pour les corriger. D'accord. le, le mot, écrit le quoi, terme alors Utilisé pour le Saint-Prophète et Khatam al Khatam des prophètes. Ouais. C'est la langue arabe. Oui. Il faut le comprendre selon l'expression arabe ou dictionnaire arabe. Le mot Khatam signifie la bague. Si ce mot seul se trouve dans une phrase quelconque, dans le khatam, c'est la bague. Okay. Et puis, utilisé comme au ancien temps, le bague était pour faire les signatures aussi. Oui. La bague utilisée pour les signatures, pourquoi Parce que c'est la signature qui confirme, atteste le document. Oui. C'est pour cela, c'est-à-dire qu'on peut dire euh, une bague qui se sert de signature. Pour oui. confirmer, attester un document quelconque, pour officialiser une lettre quelconque, parce que ces compagnies ont dit quand vous écrivez la lettre, il faut utiliser le khatam. Khatam signifie aussi le comment le dire saut. le sceau ou tampon. Tampon. Ok. Caché. Et c'était écrit caché Mohamed Ok. C'est seulement le, lorsque le mot khatam est utilisé, euh, c'est-à-dire euh, pas avec un autre mot. Oui. Mais an al-nabiyyin » est le pluriel. Lorsque « khatam » est utilisé avec le pluriel d'un mot, oui. ça devient le mot composé. « Khatam al-nabiyyin Vous pouvez mettre, au lieu de « nabiyyin », un autre mot au pluriel. Par exemple, « khatam al-mufassirin », qui font le commentaire de Saint-Courant, mais pluriel. D'accord. « Khatam al-muhaddafin les savants de euh, sciences de hadith. Ok et vous pouvez « khatam al-atiba », pluriel de « tabib »,« médecin ». Ça, c'est des choses qui sont utilisées dans la langue dans d arabe. Dans la langue arabe. Et avant la communauté Ahmadiyya, c'était très courant, ils de ces mots. Mm. On écrivait sur le, dit, le, le premier paille de le livre, avec celui qui a écrit, c'est « khatam », et puis « musannifin »,« muhaddisin »,« mufassirin »,« atiba », comme ça. Et cela signifie « selon les gens meilleurs ». Le Saint-Prophète a utilisé le mot Khatam pour Hadrat Ali. Il a dit Je suis le Khatam des prophètes. Et toi, tu es Khatam de Oliya. Est-ce que cela signifie qu'après Hadrat Ali, il n'y a pas l'ami de Dieu Donc faites la traduction cohérente. Donc le mot Achel n'est pas utilisé. Donc ici, Khatam est le meilleur des prophètes. Maintenant, le mot qui est dans la traduction est le dernier. Ça existe dans la langue arabe. Et le Saint-Prophète a utilisé. C'est akhir ».« Akhir » signifie dernier. Le Saint-Prophète a utilisé dans les hadiths. Ok, alors je vous arrête là-dessus, sur le terme dernier. Le mot arabe pour le terme dernier, là, on a David Tétinger et Timur Lang qui éprouvent l'intérêt de savoir comment on voit. Euh, si un homme est un prophète, comment on reconnaît un prophète bah, Déjà la question qu'il okay, faut vous poser, la première excusez-moi, c'est juste la question en, 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 un peu au-dessus de, ah, de, euh, de Timmerlang. Euh, quand bien même euh, il peut y avoir d'autres prophètes, pourquoi vous dites que c'est Milza euh, Ahmad Roulam pourquoi on dit que voilà, c'est Hazrat la Mahmad le, 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 bah, le, le Messie? Une dizaine de personnes ont dit être des Mahdis ou des prophètes. Autant pour moi, je n'avais pas vu ce, ce commentaire passer. Et du coup, effectivement, pourquoi nous on dit que, que c'est euh, Hazrat la Mahmad et comment on reconnaît un prophète du coup? Celui qui se déclare qu'il est choisi par Dieu en tant que tel et tel. Il annonce. Oui. OK Sinon, on peut poser la même question à tous les messagers de Dieu qui ont déclaré, c'est-à-dire eh, qu'ils ont envoyé de Dieu. Personne n'est là-bas comme le témoin qu'il est en train de recevoir la révélation qu'il a été choisi par Dieu. Seulement, il fait annonce. Mm. Maintenant, après cette annonce, après cette déclaration, on voit comment ça se passe avec lui. Ce qu'il dit... C'est justifié, c'est prouvé, c'est confirmé, c'est réalisé ou non ou, ou pas. Ok. Seulement le passé, c'est sa vie qui peut établir son innocence ou sa véracité, sa euh, véridité. Véridicité. Oui. tous les prophètes, leur vie avant la déclaration divine oui. est prouvée que ils sont euh, considérés par la société comme véridiques, honnêtes. Digne de confiance. Avant, avant leur oui. déclaration oui. mais après la déclaration, cet argument n'est pas présenté par le Coran. Pourquoi Parce que maintenant, les gens le voient qu'ils sont, qu sont préjugés, qu'ils ne sont pas honnêtes, oui. qu'ils ne sont pas neutres. Aujourd'hui, ils sont devenus opposants. Oui. Et ils le voient autrement maintenant. Mais avant la déclaration, comment ils le voyaient Vous voyez, dans la vie de tous les messages de Dieu, ils mmh. sont considérés honnêtes, dignes de confiance et véritifs. Le même cas a été le cas de Mirza Zagoulou, de Kadian. Très bien. Vous pouvez voir des phrases et des phrases, et des pages et des pages, écrites pour son honnêteté, son service pour la religion, sa spiritualité, sa piété, oui. okay? sa bravure comme le champion de l'islam, oui. pour même par ceux que plus tard, lorsqu'ils ont refusé, ils ont commencé à insulter. Ok. Donc les mêmes personnes qui lui rendaient hommage avant sa déclaration, euh, l'ont taxé après sa déclaration donc, ça, comme les mecs, quoi ont fait avec le saint Donc, ça, ça c'est un moyen, il y a d'autres voilà. moyens après quand il dit quelque chose ouais. vous voyez ce qu'il a dit donc il y a milliers de prédictions de M. Ier de M. Ier oui. qui ont été accomplies durant sa vie certaines après son décès et durant notre vie aussi nous avons vu de ces prédictions qui sont accomplies alors qu'il qu l'a prédit il y a 100 ans. Il y a certains qui sont encore à accomplir. Ok, d'accord. Okay. Et en plus, cette question, elle, elle, est, elle, est en, elle est en complément avec la question de Khataman Nabil, parce qu'il pose la même question. Il dit voilà, mais pourquoi vous dites que c'est lui alors qu'il y en a des dizaines qui ont qui sont, qui sont, qui sont fait leur revendication Il y a un hadith, et je parle sous le contrôle de Mourabi Saeb, qui dit que le saint il dit qu'il y aura 30 d'Ajjal, 30 faux prophètes, 30, 30 menteurs. Donc s'il si dit qu'il y en aura 30, ça <laughs> veut dire que le 31 e il sera, il, sera, il sera véridique il y a d'autres hadiths qui disent qu'il n'y a pas de prophète entre lui et, et entre Mohammed S.A.W et Saïd N.S.A.W ouais. et il décrit Saïd N.S.A.W à sa deuxième venue comme un prophète donc s'il dit qu'il y a des, des menteurs il y a aussi forcément un véridique Maintenant, il faut voir, comme l'a dit Mourabi Saheb, quels sont les signes qui viennent attester la, la véracité de, euh, du messie promis de Hazrat Nezar Olam Ahmad, le fondateur de la communauté okay. musulmane Et parmi ces signes, et parmi les plus spectaculaires, et parmi les plus clairs qu'il n'aurait pas pu lui-même inventer, il y a des signes célestes. Et ça, on pourra lui donner les, 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 appelle déjà les, les, les références. opérations les déjà. Et on a déjà parlé ici à plusieurs reprises dans, 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 sur cette chaîne. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple là, pour, pour bah, M. a le, 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 le fameux signe de l'éclipse de la Lune et du Soleil. Oui. Le, où le saint françois me dit, pour notre mardi, il y a deux, 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 deux éclipses qui se... Qui qui il, il y a deux signes qui auront lieu qui ne sont jamais produits et c'est bien ça vient dans notre thème en voilà, plus voilà depuis la, la création des cieux et de la terre oui euh, et euh, c'est l'éclipse du soleil et de la lune pendant le mois du ramadan mm. et ce, ce hadith il est vraiment super, très intéressant ce signe pourquoi parce que euh, c'est un signe qui s'est réalisé il a fait sa revendication et le signe s'est réalisé maintenant les gens peuvent dire c'est d'arif il est faible c'est un hadith qui est faux mais devant la réalité du signe Comment vous pouvez dire que ce signe est, ouais. est fabriqué Surtout que l'homme qui fait cette revendication, il fait d'abord la revendication et ensuite le signe se passe en sa présence. Ouais. Et, et surtout, un deuxième critère essentiel pour tester la véracité ou la validité d'une revendication d'un homme qui se dit prophète, eh bien, est-ce que cet homme-là, il a été détruit après qu'il ait fait cette revendication-là, ou est-ce que sa vie s'est prolongée et que son mouvement a perduré et c'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que Hazrat Mirza Roulam Ahmad, lorsqu'il a fait sa revendication, il a été détruit comme l'a promis le Saint-Coran quand il parle du Saint-Prophète Et qui dit au Saint-Prophète, et on peut lui donner la référence, il dit si cet homme, c'est Rasulullah, il avait dit des mensonges sur Allah, Allah l'aurait attrapé par la main droite et il lui aurait tranché la veine jugulaire. Est-ce qu'Allah est qu il a, il a, il a détruit le wa Salam Ou son message est parti jusqu'à venir aujourd'hui oui. Eh bien pareillement, Hazrat Meza wa Ahmad, malgré toute l'opposition qu'il fait encore face aujourd'hui, est-ce que son mouvement est en train de dépérir Est-ce que son mouvement est en train d'être détruit Ou est-ce qu'il n'est pas en train d'augmenter

OK, très bien. Alors, euh, je vais enchaîner avec la suite euh, du commentaire euh, donc euh, toujours de Hitman et donc il nous dit ensuite euh, que euh, notre intervenant il s'est contredit en citant euh, la sourate 5 verset 3 lorsqu'elle a dit qu'aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. J'ai complété mon bienfait sur vous et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Donc car selon lui, le verset contredit les Ahmadis Puisqu'Allah lui-même dit qu'il a parachevé la religion, ok Attendez, suivez-moi. Il explique qu'Allah envoie un prophète lorsqu'un peuple s'éloigne du droit chemin après que les livres ou le message aient été falsifiés, ok Si le message final est celui du Saint-Coran qui a été préservé, donc parachevé, euh, qu'est-ce qui justifie l'arrivée d'un nouveau messager avant d'arriver là-dessus, il a posé des questions qui vont toujours mm. dans, le, dans, dans le sens de, 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 de ce qu'on qu vient de dire, Oui. Euh, et qui sont, qui sont intéressantes, parce que ce sont des, des questions, et là je vais laisser Mourabi répondre, parce que ce sont des, des, des questions qui, qui reviennent souvent. Je crois qu'il pose la question sur le Barahi Nahmadiyab, mais c'est si premier à sa famille, avait, il avait promis qu'il allait écrire plusieurs volumes. Mm. Là il a parlé de 50 volumes, mais je crois qu'il s'est trompé. Mm. Et il, il veut une, une, une réponse par rapport à ça. S'il <coughs> vous plaît. Le M. Premier Lectoral Salam avait mentionné que l'objectif et le but pour lequel il est en train d'écrire ce livre est de présenter 300 arguments pour établir la vigacité de Saint-Courant, de Saint-Prophète et de l'islam. Et puis, au départ, il a pensé que pour accomplir cette tâche, il doit écrire combien de volumes de livres okay? Combien de tomes ou de parties de livres okay. mm -hmm. Mais à ce moment-là, lui, il n'avait pas dit qu'il est, est désigné par Dieu pour faire réaliser une certaine mission particulière en tant que réformateur ou en tant que le Messie et le Mardi. Oui. Okay. Donc, c'était de sa part, même si toujours par le soutien divin, il a commencé à écrire le livre. Au départ, il avait cette idée. Oui. Et puis, il n'avait pas dit qu'il va écrire deux autres livres aussi. Il a dit qu'il va écrire ce livre, combien de volumes Maintenant, lorsqu'il a commencé à écrire, mais Dieu a son propre plan. L'on peut imaginer ce qu'il va faire. Mais c'est lui qui est maintenant désigné par Dieu. Lui, il est désigné par Dieu. Maintenant, il va suivre ce que Dieu lui dit. Oui. Okay? Mais l'essentiel, le but de livre était de procurer, de présenter 300 arguments. Et les savants Ahmadis ont prouvé que même on peut trouver dans le Brahman plus que ces 300 arguments oui. qu'il avait déjà dit. C'était un défi à tous les non-musulmans, chrétiens, ariens, hindous, et les juifs et les autres, c'est-à-dire refuter même un dixième de ces arguments. Il a, euh, il a dit, il a promis de lui donner ma propriété entière qui était à 10 000 roupies à cette époque, okay? 130 ans auparavant. Mais il n'y a personne qui a pu relever ce défi. Okay? Parce que les arguments qu'il a présentés pour cela... Les, même les plus grands opposants, plus tard, ont apprécié ce livre. Il a dit depuis 13 siècles de l'islam, ouais. personne n'a écrit un livre similaire. Si quelqu'un dit que moi, j'ai fait une exagération, il faut que je présente un cas quelconque. Alors qu'il a présenté. Et puis, Dieu l'a, c'est-à-dire, dirigé vers, vers c'est-à-dire, sur un chemin quelconque. Il a écrit 85 livres Ok. en arabe, en persan et en urdu. D'accord. Okay? donc c'est après c'est Allah qui, va, euh, qui a dirigé mais le, le monsieur l'Islam a donné un exemple ceux qui ont commencé à accuser oui. ok et il a dit que ce cas est le même ok que au départ Dieu avait prescrit 50 prières et par le conseil de Moïse oui. à l'islam le saint profess est allé demander Dieu de réduire pas 50 c'est trop oui donc il a dit 40. Et le saint dit que okay, c'est assez, mais Moïse a dit que non, c'est encore, moi je, je suis l'homme de l'expérience avec oui. le peuple. Okay? Et puis il a demandé encore 30, puis 20, puis 10, puis 5. Mais il a dit, Allah a dit 5, mais c'est égal à 50. Okay, non? Ça veut dire la même récompense que quelqu'un fait le 50. Okay. Okay? Donc le Messie premier l'islam en donnant cet exemple, il a dit qu'il avait promis. 40 volumes, oui, 50 volumes, volume, ok. Aussi. Alors, mais il a fait 5 volumes, ok. Il a fait 5 volumes, Barahine euh, Ahmadiyya. Mais à part cela, il a écrit, c'est-à-dire plus de 85 livres, okay. ok. En dehors de ces volumes, ok, okay. très bien. Bon mais l'objectif et le but pour établir la vigacité de l'islam, de Saint-Courant et de saint euh, il a, il a réalisé, il a honoré cette promesse, très bien, ok. Il nous dit, il continue, hein, Timur Lang, euh, le mardi établira la justice et l'équité. Est-ce euh, que euh, Hazrat Milzargoullah Mahmad Alayhi salam l'a fait? Ben, déjà, euh, il, faudrait, il faudrait que, que les gens l'acceptent. <laughs> oui. Pour pouvoir... quand, les, quand, les, quand les gens l'accepteront, la paix, la justice et l'équité sera établie. Règnera. Comment le Saint-Prophète Mohammed a, a fait pour établir la, la paix et l'équité en Arabie, pour pacifier et unifier le peuple Il a diffusé le message. Il a islam. Diffusé le message Et comment on réagit Ses pires ennemis Ses pires ennemis sont devenus ses meilleurs amis ils ont même donné ennemis. leur vie pour ça. Ouais, C'est comme ça que l'Islam s'est implanté, s'est établi. Donc, vous êtes en train de dire que nos pires ennemis, nos pures opposants peuvent devenir vont devenir. Je suis pas en train de dire, je vais pas en train de dire, peut-être ils vont le devenir. C'est la destinée. Si c'est pas eux, c'est leurs enfants. D'ailleurs, il y avait même un le petit-fils de l'un des pires ennemis du messie premier qui s'appelait Moulvi Hussein de Batala, Son petit-fils, lors d'une lors d'une il s'est levé et il a dit, moi, petit fils de Mohamed, de Hussein de, de Batana, Mais... j'accepte l'Ahmadia. Maintenant, pour répondre à sa question. Mais attendez, donc, il nous dit qu'il devait le faire de son vivant. Non, le Saint prophète Mohamed, le Saint Coran dit, en parlant il se peut qu'il y ait des, des prophéties qui se réalisent de ton vivant et des prophéties qui se réalisent de, euh, après, à, à, après ta mort. C'est la Sunnah d'Allah, avec tous les prophètes. Nous disons que mm. le un prophète, pas un prophète législateur, mais un prophète qui vient confirmer et euh, travailler sous la direction de la loi du Saint-Prophète, mm. le salam Mizaroula, le Saint-Coran. Mais pour encore une fois revenir sur sa question de la justice et de l'équité, le Messie premier, al Salam, a expliqué mm. de, que, comment, ça allait se, comment ça allait se passer. Il a dit très clairement que ce trois siècles ne passeront pas. Avant que le monde ne reconnaisse la véracité de l'islam à travers lui, à travers okay, le monsieur. Ok, très oui. bien. Mais s'il vous plaît, il faut voir. cette question euh, n'est pas pertinente dans ce sens, comme il a le droit de poser la question. La justice sera établie. Mais pour qui La paix sera établie. Pour qui D'accord. Est-ce que ceux qui croient en lui et ceux qui ne croient pas en lui sont égaux ce sera injustice. Oui. Il y a les gens qui acceptent, qui font énormément de sacrifices. C'est eux qui méritent la justice et c'est eux qui méritent la paix et la tranquillité et la satisfaction de la part de Dieu. Pas ceux qui se sont opposés à lui. Et puis à, à quelle que... dist distinction Il faut pouvoir la mesurer aussi la justice et l'équité à un non, moment ça, donné. Ça, c'est tout à fait une autre chose. Ok. Mais je pose, une, euh, je présente cette chose que ces bénédictions sont pour ceux qui l'accepteront. Ceux qui le rejettent, ils sont aussi récipiendaires de même bénédiction. À quoi se sert faire croire, croire et puis offrir énormément de sacrifices C'est la même chose que quelqu'un qui qui vit toute sa vie, par exemple, avec la piété, avec la dorature, en contrôlant ses sentiments, ses, ses désirs, et l'autre personne, il vit comme euh, la vie de débauche, et puis les deux sont traités par Dieu de la même façon. Hmm. Est-ce qu'un voleur, un criminel, un assassin, et lui, une autre personne, une personne qui est innocent, piése. qui est un homme juste, seront traités par même un État, par un juge, de même façon Non. Non, s'il vous plaît. La question n'est pas basée sur la justice. Pour nous, les armées, nous savons très bien, il y a la justice, il y a la paix. Oui. Malgré opposition, malgré oui. toutes sortes de sacrifices que les armées sont en train de faire, mais nous vivons en paix, en toute tranquillité. C'est-à-dire que nous la sommes la contents et satisfaits que Allah est derrière nous, Allah soutient la communauté musulmane Ahmadiyya. Et nous avons le progrès. Quand un fermier plante un arbre de fruits, oui. il fait labour, oui. il travaille. Des fois, il ne dort pas la nuit aussi. Oui. Mais quand il voit des fruits, il oublie tout, oui. toute fatigue, et il est content. C'est la même chose avec Ahmadiyya. Mais ceux qui s'opposent à Ahmadiyya ils ne méritent pas ça. Pour mériter, il faut entrer. Oui. Si vous voulez, c'est-à-dire vous servir de. c'est-à-dire faciliter ou le faveur qu'un Français se réjouit en France, il faut avoir la nationalité française. française. Il oui. faut avoir le visage si de... français. Si on veut bénéficier des, 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 des avantages ah, du Français, oui. il, faut, ah, il faut rentrer euh, ah, oui, ah, il faut ah. avoir les faut être français, entre guillemets. C'est pas mal comme comparatif. Alors là, on a bien avancé, on a pas mal dépatté avec le chat, ce qui fait que notre thème, on l'a... Bon, on, on, on y a touché par d'autres axes aussi. Oui, parce qu'en fait, euh, les... ce, qui est un, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu l'aborder les... par d'autres axes aussi. Mais du coup, je vais, euh, je vais, je vais, je vais continuer avec euh, une question euh, sur, bah, c'est toujours Hitman, euh, qui, bah, lui, semble pas trop renseigné hein, sur notre mmh. communauté, puisqu'il pose aussi une question sur les pers persécutions euh, qui sont subies par les Ahmadis dans le monde, en, en les expliquant que finalement, c'est euh, au Pakistan, qu'on est persécuté, il dit si ce n'est pas juste une, un problème d'ethnie, que ce pas lié à la religion, mais que c'est lié à l'ethnie. Il fait le rapprochement en disant que tous les Armadis sont dans un même village et que du coup c'est peut-être une question de géographie, d'ethnie géographique, ce genre de choses, et qu'on n'est pas euh, persécuté par rapport à, à nos revendications euh, religieuses. Avant de laisser Mourabissa répondre à cette question, il y a une question qu'il pose, parce qu'il l'a il il déjà posée dans, dans, dans le commentaire, c'est pour ça que je me permets de, de, de vous demander de revenir vers elle. Là, il l'a posé à plusieurs reprises et d'ailleurs il le dit, euh, concernant le hadith sur euh, il aura le même nom que, que, le, que son père, oui. et il aura le même prénom. Ce que... hadith est, c est, est mal compris. C'est-à-dire il, il traduit son nom est le nom de, de saint prophète. Le saint prophète a dit Et il aura le nom comme le, mon nom et le nom de mon père comme le nom de mon père et le nom de ma mère comme le nom de mon père, de ma mère. Ce n'est pas le Hadith. Il faut qu'il donne la référence de Hadith dont il parle mmh. et aussi le texte arabe. Le Saint-Prophète n'a pas utilisé ce vocabulaire. Il a utilisé un autre vocabulaire qui est significatif. Sinon, il allait dire Son nom est Mohammed bin Abdullah. Pourquoi il n'a pas dit Mohammed bin Abdullah c'est pour ça que certains ont dit, dit que le saint Prophète sallallahu avait dit son nom est Muhammad bin Abdullah Mirza Ghulamud, son nom n'est pas Muhammad bin Abdullah, il est Et Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah, d'après ben oui. cette signification erronée et interprétation erronée de ce qu'ils disent, ils ont été tué sur le champ. Okay? Dans notre vie, quelqu'un s'est proclamé à la Mecque. Oui. Ah, il a été étouffé et puis... <laughs> ok. Même il y avait les mardis de Soudan. Oui. Okay. Son nom était Mohamed Ben Abdullah. Il a été assassiné. Donc, c'est pas le significat de l'homme Il faut pas jouer avec les hadiths de Saint-Prophète il a, et Donc, je peux donner le, le texte arabe, mais je vais pas donner. Je lui demande. oui Il cherche les références. Il envoie le texte arabe de le ce Le texte radis. en arabe. Et puis, on va parler. Et puis, on pourra parler très bien. Bon, en tout cas, Timur uh, Lang, c'est un plaisir uh, de pouvoir uh, uh, répondre à vos commentaires. N'hésitez pas aussi à nous écrire uh, sur mtafrançais@mta.tv pour qu'on puisse rentrer plus dans le détail. On peut aussi uh, voilà, échanger en vocal, par appel téléphonique. Enfin, ouais, y a, y a... il a donné la référence, il dit, dans le chat. Mais oui, il a pas donné, il a donné le, texte en le, texte le texte arabe. Il a donné en français. Euh, bon ben je vais Le devoir ne pas français. Ouais, je vais devoir <laughs> clôturer cette émission, on n'a pas abordé forcément toutes les questions mais bon on arrive au terme de notre émission La priorité euh... au chat c'est normal priorité au chat hein, c'est ce qu'on scande à, à, à chaque fois en tout cas vraiment merci à toutes et à tous de nous avoir suivis – Je n'apparais plus à l'écran. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Euh, C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Merci à Timur Lang qui, a, qui, qui, nous, a, qui, nous, a, qui nous a posé des questions dans le chat, hein, qui, qui s'est montré intéressé. Euh, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis on, on essaiera de, de répondre au mieux à vos interrogations. Euh, N'oubliez pas qu'on a notre conférence le 11 juin, le 19, 19 juin on a aussi euh, une, euh, une conférence interreligieuse. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je rappelle pour le 11 juin, euh, en, en, en Présentiel, c'est uniquement pour les femmes, hein, une conférence pour, euh, organisée par les femmes. Mais pour les autres, vous avez la possibilité de nous suivre euh, via YouTube comme à l'accoutumée. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Assalamu wa alaikum wa rahmatullah. ان اثني عليك واحمدا